L'idée d'un livre au coin du feu, l'idée de prolonger l'effet de la littérature, de célébrer son alchimie, de prolonger l'effet d'un roman, d'en étudier la magie, et d'en discuter avec son auteur. Il y a vraiment des romans comme ça qui invitent à la conversation, qui invitent à la fascination, et qui donnent envie de connaître son auteur parce qu'on sent que c'est sa voix qui s'exprime dedans, et on a envie de recueillir une forme de secret, de le partager entre un lecteur et son auteur. Ainsi, j'ai voulu commencer ce cycle de rencontres sur Combat par La Canine de Georges de Sigolène Vinson, qui est un roman fascinant, qui est comme une grande poésie, comme un voyage qui vous oblige à lâcher prise et à abandonner vos réflexes habituels devant une narration et vous convertir à une langue, à des images et à des rêves qui font toute la beauté singulière d'un auteur et la beauté singulière de son roman. Ainsi, Sigolène Vinson a voulu évoquer la figure de George Harrison qui est chère pour elle, qui est une consolation permanente et un refuge toujours disponible finalement comme l'est l'art qu'on aime. Alors ça commence vraiment par une admiration que Sigolène a développée quand elle avait 12 ou 13 ans, quand elle a découvert la voix de George Harrison sur l'un des vinyles de son frère qu'elle s'est approprié. Et découvrir cette consolation que peut être un chanteur ou un artiste qu'on aime. Ainsi, elle a composé tout son roman autour d'une étrangeté qui est la canine de George Harrison qui lui donnait un sourire si particulier et peut-être même un accent un peu particulier, une douceur aussi. Alors, je vous invite à explorer avec moi ce qui fait la beauté de ce roman de Sigolène qui est comme un voyage chamanique, quelque chose de psychédélique, comme un rêve dont on se souviendrait au réveil. Et vraiment pour célébrer une forme d'alchimie que la littérature peut créer, au-delà même d'une certaine compréhension un peu classique, et pour dire la poésie en fait qui s'écoule dans un roman, pour dire les esprits qui vous visitent quand vous lisez un roman, pour dire le frisson en fait que peut être la littérature et personne autant que Sigolène n'a éveillé ça chez moi en tant que lecteur. C'est-à-dire que c'est une langue qui, pour moi, évoque Rimbaud, évoque une sorte de mystère ou d'énigme qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie, pas forcément de comprendre, mais on a envie de se laisser porter, en fait. C'est l'histoire donc d'une fascination, mais c'est aussi l'histoire d'une amitié que cette rencontre va célébrer et puis de dire l'importance de cette autrice dans mon parcours de lecteur et dans le parcours de tous ceux qui l'ont lu. Découvert que j'avais un thème astral assez particulier, d'ailleurs, que toutes les planètes sont alignées. Et j'ai fait, il y a une espèce de site américain où tu peux confronter les thèmes astraux. Donc j'ai confronté mon thème astral, salut Franck, avec le thème astral de George Harrison. Et tout d'un coup, il y a une phrase qui est apparue en anglais, voilà, l'homme poisson et la femme balance inscriront leur nom dans les étoiles. Et j'ai dit, hop, c'est parti, je fais un roman, quoi. Voilà. Oui, et c'est un roman qui commence également avec un cas d'école qui est la dent de George Harrison, que l'un des personnages qui s'appelle Louise découvre dans une salle d'attente de dentiste. Et d'un seul coup, elle découvre une sorte d'obsession autour de cette dent. Et comment t'es venu le motif de la canine, justement? Parce que la canine de George Harrison avant 69, elle est très voyante et elle imprime à sa bouche un certain mouvement, une certaine grimace. Et je me suis demandé, est-ce que le son de sa voix, sa tessiture, venait de ça? Et à partir de là, si sa dent imprimait à sa voix une particularité, est-ce qu'il se met à écrire, à composer
pour cette voix qui est conditionnée par cette dent. Et donc, l'idée, c'était, est-ce qu'une dent, un détail aussi banal d'un physique, peut déterminer une existence ou un talent ou un génie? Et parce que moi, souvent, je m'interroge sur ma façon d'écrire. Est-ce que j'écris de telle ou telle façon parce que je me tiens voûtée, parce que je me tiens très mal, je me tiens voûtée. Je me dis, est-ce que si je me tenais plus droite, est-ce que mon écriture serait différente? Si je n'avais pas une jambe légèrement plus longue que l'autre, est-ce que je cesserais de marcher de travers dans la vie? Toutes ces questions-là. Et je me suis dit, peut-être que sa dent a déterminé son existence ou pas. Et l'idée aussi, c'était qu'à partir du moment où il la lime, est-ce que ça change quelque chose à sa nature profonde? Or, il s'avère que même limé, sa bouche continue à bouger de la même façon. Il y a toujours ce mouvement des lèvres supérieures à droite. Et c'était toutes ces interrogations-là. Et après, en tant que... si je suis un auteur, si on considère que je suis un auteur, c'était est-ce qu'à partir de ça, on peut construire une histoire? Est-ce que je serais capable? Ce n'est pas vraiment un défi que je me lançais, mais quand même, se dire est-ce qu'à partir d'une dent, je peux créer des personnages autre que George Harrison et une histoire qui tienne à peu près la route. Et voilà, c'était quel personnage allait graviter autour de cette dent, puisque c'était l'astre presque central de l'histoire, la dent. Et est-ce qu'il y avait une gravité qui attirait tout autour des personnages? Et puis moi, m'obséder par cette dent, je vais vous montrer, là je l'ai là normalement. Ah, tu l'as? J'ai quand même un carnet, et là, un jour, je suis allée chez mon dentiste, et parce que ça, c'est vrai, du coup, je suis allée chez mon dentiste en lui montrant. Qu'est-ce que je lui ai montré à mon dentiste? Je lui ai montré ces photos-là, en fait. Ouais. J'avais la bouche de George Harrison dans les tendres années, et après. Et j'ai demandé à mon dentiste, qu'a-t-il fait? Et donc, il n'a pas reconnu le dentiste. Le dentiste était un peu jeune. Et ce dentiste m'a dit, là, il y a un bridge. Et je crois que ça m'a rendue folle parce qu'il m'a expliqué comment fonctionnaient les bridges à l'époque. Parce qu'à l'époque, on ne mettait pas d'appareil dentaire. Et ça m'a rendue folle que George Harrison ait sacrifié des dents saines, puisqu'elles étaient saines a priori, pour... Alors que pour moi, toute sa beauté résidait dans ce sourire-là, de travers, quoi. Et sacrifier des dents saines, ça, voilà. Donc ça, je me suis dit, je vais le mettre dans le roman. Louise, ça va la rendre dingue. Louise, ça va la rendre dingue que des dentistes aient pu faire ça. Et puis l'idée du dentiste aussi, c'était me rapprocher du docteur Riley, qui est le dentiste qui a mis du LSD dans les tasses de café de John Lennon et George Harrison, la première fois qu'ils ont pris du LSD. Oui. Et donc, je me suis dit, en plus, avec la dent, ça me permet d'aller vers le dentiste et du dentiste aller au LSD et donc ouvrir les portes de la perception et expérimenter tout ça. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment l'objet du roman, c'est vraiment un trip au LSD, je pourrais dire, on est vraiment dans une hallucination qui monte, en fait. Et on est dans des personnages qui sont des émanations de l'esprit de George, enfin de cette dent qui porte l'esprit de George. Et on est dans l'extrapolation de tout ce que ça représente. Et on est dans un roman qui est de plus en plus symbolique et de plus en plus poétique, en fait. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, et ce que j'ai trouvé en finissant le roman, en fait, c'est que tu le commences par une lettre au Dear Gardener qui s'occupe du domaine de Friar Park, la maison de George Harrison. Et tu le finis de la même façon. Et en fait, ça fait comme un encadrement théâtral, en fait. Comme l'illusion comique de Corneille qui commence par... C'est comme des levées de rideaux à chaque fois, ces lettres. On part de la réalité, après on prend une forme d'acide, en fait, une forme d'imagination qui se déchaîne à partir de cette canine. Et la redescente, c'est la deuxième lettre au Dear Gardener. C'est-à-dire que c'est une parenthèse hors de la réalité, ce roman. Et, moi, je,
J'entamais une quête peut-être mystique en l'écrivant, et l'idée c'était de conclure et de savoir si, malgré tout ce qui avait été imaginé et expérimenté, j'allais finir par croire. Et la conclusion est que je ne crois toujours pas, mais en vérité, je crois qu'elle n'est pas très vraie, cette conclusion. Non, parce Mais. que justement, c'est ce qu'on ressent très fort, c'est-à-dire que on est dans la transe en permanence, même comme lecteur, quoi. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai pas pris de LSD, mais du coup j'ai fait beaucoup de méditation parce que je voulais tenter d'avoir des images des sensations qu'on peut avoir dans ces états-là de conscience augmentée. Et bon, j'ai pas voulu prendre de LSD, mais du coup, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai aussi tenté avec Claire une séance de chamanisme, qui est celle dans le bouquin. C'est exactement ce que j'ai vécu avec les tambours mongols de Claire. Et alors, je ne sais pas si c'est l'imagination qui fait ça ou si c'est une zone du cerveau qui est activée, mais donc, je voulais absolument avoir des images précises de ce que peut provoquer un autre niveau de conscience. Et sans savoir encore aujourd'hui si c'est mon imagination qui a produit ces images ou si c'est vraiment les connexions synaptiques ou d'autres simulations sonores qui activaient certaines parties du cerveau. Mais donc voilà, je voulais que le bouquin soit ça aussi, que ça soit à l'image de George Harrison qui a tenté tout ça, la méditation, le LSD, enfin tout quoi. Et peut-être les tambours, enfin, ou en tout cas le sitar de Ravi Shankar, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec l'expérience du tambour, c'est qu'on ne sait pas si c'est de l'imagination ou si c'est quelque chose d'autre. Et donc, et là, de la même manière, dans ton livre, on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est cette tentation du fantastique qui sous-tend à peu près tous tes romans. C'est-à-dire cet appel de l'ailleurs et cet appel de la poésie, en fait, qui permet de transcender la réalité qui est le lieu de la douleur et la poésie qui est le lieu de la rédemption. Ouais, mais je crois que c'est ça. Enfin, il y a toujours une incursion du fantastique, du merveilleux dans ce que j'écris. Parce que je crois aussi que ça permet de dire les choses avec drôlerie. Parce qu'il n'y a pas que de la poésie. Et du coup, je me suis beaucoup servie du personnage d'Angelo pour. Vraiment, il m'a libérée, Angelo. C'est par lui que je disais tout ce que je ne peux pas dire autrement. Donc, il est très poétique ce personnage, mais c'est par lui aussi que vient la drôlerie. Et je pense que le fantastique d'Angelo me permettait ça. Voilà. Angelo, pour vous situer, c'est un espèce de gourou qui vit au Danemark dans une communauté un peu idéale qui s'appelle Christiania. Il est au bord d'un lac, c'est un surfeur qui attend une vague au bord d'un lac. Donc on est dans l'absurde, on est dans la drôlerie de Sigolène, parce que il y a aussi ça, c'est que c'est un livre avec des pointes d'humour et des touches d'absurde comme ça qui sont très réjouissantes aussi. Ce n'est pas quelque chose de lourd du tout. Mais Angelo, c'est quelqu'un qui est en permanence entre deux mondes. C'est-à-dire qu'on est autant branché sur ses pensées qu'on voit en italique que sur sa réalité qu'on voit dans une narration classique. Si on Mais je peut. pense que c'est le médiateur avec le cosmos, Angelo. Hein. Tout charlatan qu'il est, peut-être qu'il est quand même connecté à quelque chose, à cause de toutes les drogues qu'il a prises. Enfin, Bah, je très sais pas. franchement, il n'apparaît pas si charlatan que ça dans le bouquin, je trouve. Enfin, Ah non, il m'a pas semblé. Enfin, moi, je l'ai cru, quoi, mais je dois être crédule. J'ai cru. Il était endormi avec sa méditation, sa sortie de corps sur la Exactement. banquise. Parce que d'un autre côté, il y a le personnage de Louise avec laquelle on commence l'aventure, qui fait vraiment office de guide et de narratrice presque naturaliste avec son compagnon qui fait des blagues tout le temps, qui la ramène tout le temps au sol. C'est vraiment un contrepoint, Lise, presque, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se convertir à ce merveilleux, alors que Angelo et les autres dont on parlera un peu plus tard, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà bien dans le cosmos.
Bah, Louise attend sa rencontre avec Angelo pour voir si ça change quelque chose à sa perception. Mais Louise, elle est quand même déjà, elle a commencé à entamer le chemin quand même. Mais finalement, à la fin, elle va pas y aller puisqu'elle retourne à sa vie, à sa réalité, et carrément même en s'engageant en politique. Mais oui, c'est Louise est même sous ses dehors un peu farfelu quand même. Elle est celle qui va tenter autre chose et qui finalement y renoncera, mais elle y aura gagné quelque chose quand même. Oui. Mais elle aura, voilà, elle aura troqué cette fantaisie, cette quête d'étoiles par une quête plus concrète d'un engagement local en tant que conseillère municipale, quoi. Communiste de surcroît. Oui, mais elle est revenue au monde réel, quoi. Alors que c'est un bouquin qui hésite toujours entre les deux, notamment avec Hélène, qui est mon coup de cœur du livre, vraiment, qui est une fillette de 10 ans et 5 mois, malade, une enfant malade à Liverpool, qui a du mal à respirer, qui a du mal à faire des efforts, et qui se prend d'amitié et même d'amour pour un vieil électricien qui habite à côté de chez elle et qui s'appelle Georges. Et Georges a la particularité de ressembler quand même comme deux gouttes d'eau à George Harrison. Je précise toutefois que le nom de George Harrison et que le nom des Beatles n'est absolument jamais prononcé dans le roman. Non, mais le vieux George est George, c'est un George Harry, c'est George Harrison qui aurait pris un chemin de traverse. Enfin, c'est même le George Harrison puisqu'il a les souvenirs de George Harrison. Mais parce que George Harrison, en fait, il a été apprenti électricien pendant 6 mois. Et il aurait pu rester électricien toute sa vie. Donc c'est ce George-là, mais en même temps qui a les souvenirs du vrai George Harrison. Mais c'était important que George ne soit pas tout à fait George, que ce soit mon George à moi, et un George qui ait continué à vivre surtout. Parce que George Harrison est mort. Or ce vieux George-là vit encore, quoique non, il ne vit pas, puisque à la fin, il aura été rêvé par les autres personnages. Et puis Et par moi. pendant toute une partie du roman, il ne se souvient de pas grand-chose en fait. Il est vraiment tenu en vie par l'amour de cette petite fille qui l'accompagne partout et qui croit en lui et qui finalement va l'aider à faire le chemin vers ce qu'il a pu représenter par le passé. Oui, mais c'est Mais... peut-être l'adoration de l'enfant qui réveille les souvenirs qui ne sont peut-être pas les siens. C'est cette adoration muette, alors que l'adoration des Beatles, c'était elle très, très criante et très vive. Mais c'est peut-être l'adoration d'Hélène qui fait de son vieux voisin George Harrison, en fait. qui le transfigure en George Harrison. Transfigure en George Harrison par son amour fou et presque désespéré. Oui, c'est ça qui est très beau. Et en fait, c'est vraiment cette poésie-là qui fait que c'est un livre qui est à la fois plein des Beatles et plein de leur absence. C'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait juste l'intuition des Beatles et s'ils n'avaient pas vraiment existé, s'ils n'existaient pas vraiment, comment on comble ce vide en nous qu'ils ont comblé et qui a rendu les choses un peu plus vivables en fait? Mais en les prenant eux, c'était aussi permettre de critiquer la société actuelle, puisque elle vient peut-être de là, de l'après-guerre. La société de consommation, la consommation de masse et l'industrie culturelle. Donc il y avait ce côté-là, et en même temps avec les Beatles, rien n'est réel. Enfin, c'est voilà, Strawberry Field, voilà. Et il y avait tout ça qui permettait de montrer cette contradiction avec tout ce qu'il y avait de marchand avec eux et tout ce qu'il y avait de rêve possible et comment tout ça a été transformé. Aujourd'hui, où on en est arrivé aujourd'hui, à partir de cette période-là, parce que voilà, je pense que l'état du monde vient beaucoup de ce qui s'est passé à la fin des années 40 et 50 et enfin, après 60. Oui, mais quelque part, les Beatles, c'était quand même un symbole de l'innocence, en fait. Bah, eux l'étaient peut-être, mais ceux qui s'en servaient avaient des vues autres Des vues qui très étaient très mercantiles, oui. mercantiles, oui, et de
Voilà, c'était cette idée-là aussi qui permettait, dans un livre qui ne paraît pas du tout politique, quand même d'en faire un peu, même si le message est beaucoup moins visible que dans d'autres bouquins, c'était important pour moi quand même de pointer un peu ça, mais de façon très légère. Mais voilà. Je trouve que les Beatles, c'était parfait pour illustrer ça. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont doubles en fait. Et précisément, George Harrison est celui qui s'est émancipé de cette dimension-là. Tout en aimant l'argent, Oui, ça oui, c'est dans le livre. Mais oui. Pas par oui, rapport. lui qui a cherché autre chose et à s'extraire du monde matériel, oui. Et à se retirer dans cette espèce de manoir. Du coup, j'y suis allée, hein. Enfin, j'y suis allée, je ne suis pas rentrée dans le jardin, En mais fait, le livre il y a... commence par cette anecdote-là, en Ouais. plus. C'est-à-dire qu'on était en hiver, en décembre de l'année passée, et on peut faire quand même tout le tour de la propriété, et par endroits, tu vois notamment certaines petites maisons annexes, et j'ai grimpé dans un arbre, voilà, et j'ai pu voir les tours, apercevoir les talus, etc. Et c'est vraiment quand même assez impressionnant ce lieu, Friar Park. Et après, quand tu fais des recherches, tu vois toutes les grottes qu'il peut y avoir, enfin, c'est assez dingue. Tu te dis, ce mec-là s'est créé un monde imaginaire. Alors, c'est pas du domaine de Michael Jackson, hein, mais voilà, lui qui était très tourné vers la nature, puisque c'est lui qui a ordonné son jardin. Et ça, c'est aussi très, très romanesque, je trouve, de s'imaginer ce garçon reclus en train de planter des arbres et qui a eu très tôt la conscience de l'écologie. Je ne sais pas si vous voyez le court-métrage où il n'y a que des logos là. C'est un court-métrage français où il y a une espèce de clown McDonald's qui se. C'est un dessin animé, enfin un film d'animation qui se promène dans une ville où il n'y a que des logos. Et en fait, ce film au départ, qui a eu des Oscars, je crois qu'il a eu pas mal de prix, c'était pour un clip de George Harrison de son dernier album. Le dernier, il était mort quand le C'était disque est sorti. Brainwashed. Ouais, et du coup, à la fin du clip, tous les logos devaient être renversés par une forêt qui envahissait tout. Mais déjà, dès les années 70, quand on écoute des interviews, il se préoccupe vraiment de l'écologie, de l'état de la planète, des animaux et tout ça. Donc, je trouvais aussi que ça permettait d'aborder les thématiques actuelles et les problématiques actuelles par son biais et par le fait qu'il ait fait ce retour à la nature, mais une nature, du coup, qui était... close, puisqu'il lui il s'est coupé du monde et sa nature n'était qu'à sa propre. Enfin, il en avait l'exclusivité, quoi. Logorama, merci. C'est le titre du Voilà, film. c'est Ouais. ça. Réalisé par des Français, mais du coup, c'était à la demande de George Harrison ou de son fils, Danny. Voilà. Et c'est vraiment la dimension naturelle en fait qui va apporter l'art dans ton livre, quoi, qui va nous rapprocher des éléments, qui va nous rapprocher de l'eau qui t'est chère et du surf. Normalement, il y a des très belles pages sur le surf aussi. Et Ah oui, c'est une des plus. Oui, il y a des passes sur le surf? Oui, Non. bah, quand Angelo en parle et Ah oui. quand il parle C'est pas de. jour noir quand même, tu vois, mais Non. oui, il y a un peu de surf. Oui. Non, c'est Ouais. pas Shangri-La. Mais il y a surtout cette manière de la nature de se transformer en art, en fait. Et notamment sur les cailloux qui parsèment le roman et dont on charge d'un pouvoir magique. Et spirituel justement et là pour le coup c'était Angelo le responsable, on va peut-être pas dire pourquoi parce que c'est l'objet de la quête du roman, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que en même temps c'est une quête de foi et en même temps la foi est partout parce qu'on la cherche partout, on la cherche dans les cailloux, on la cherche partout et chacun à leur manière il la cherche. Je ne sais pas si c'est la foi qu'on recherche dans tous ces éléments ou si ce n'est pas la nature pour elle-même. Oui. Moi, je recherche les cailloux pour les cailloux et pas pour forcément les pouvoirs qu'ils ont. Enfin, quoique. Enfin, les cailloux, c'est vraiment un élément quand même assez central chez moi. Il faut Ben toujours oui. qu'il y ait un cailloux quelque part. Et là, il fallait absolument qu'ils y soient parce que je considérais que c'était le livre où je me libérais le plus et
finalement, je mettais le plus de moi. Et si je mettais le plus de moi, il fallait que je mette encore un peu plus de cailloux que d'habitude. Et dès le départ, c'était le moyen de... Parce que je sais que j'allais perdre un peu le lecteur. Moi, dès le départ, je sais où je vais. Je sais, j'avais construit mon histoire, je savais tout à fait où j'allais. Et je savais qu'en chemin, j'allais perdre les lecteurs pour qu'ils se retrouvent à la fin quand même. Enfin, et j'avais besoin des cailloux pour les semer et pour indiquer le chemin quand même à suivre comme un jeu de piste. Voilà, le petit poussé. C'est-à-dire que les cailloux, on n'y cherchait pas la foi, mais on y cherchait au moins quand même un chemin. Et dès le départ, ils y étaient, quoi. Et c'était pour parvenir, en plus, on suit ces cailloux pour arriver, pour tous les personnages se regroupent, et qu'enfin soit révélée la fresque dont, dès le départ, normalement, on a compris ce qu'elle représentait. Moi, je le sais, puisque je connais bien cette image, c'est Sgt Pepper, en fait, hein. Oui. La pochette à l'intérieur, sur le fond jaune. Et en fait, cette fresque existe vraiment à Rishikesh. Quelqu'un l'a reproduite à Rishikesh, en fait, dans l'ashram qui a été abandonné, où les Beatles avaient séjourné. Et donc, voilà, c'était le moyen, ces cailloux, qui sont très importants pour moi, de quand même guider un peu le lecteur, en sachant que sans eux, peut-être, je larguais tout le monde, quoi. Mais il y a un truc aussi qui est fort chez toi, et notamment dans l'élément minéral, c'est-à-dire que encore dans ce roman, il y a quelqu'un qui fait une sculpture. Et comme dans le caillou qui portait ce titre-là, c'est Louise qui reproduit le visage de Georges à partir de sa canine. Et à partir de là... Oui, tu disais. Non, mais je crois que dans ce livre, en fait, il y a un peu de tous les autres livres. Oui. Il y a le caillou avec ça, parce que je trouve que Louise ressemble très fort au personnage, à la narratrice du caillou, hein, sincèrement. Hélène, je pense que c'est Antoine dans le Maritima. C'est-à-dire que comme j'avais pu explorer la relation presque amoureuse pour ceux qui ont lu Maritima, entre Antoine et Jessica, je l'ai continué entre Hélène et Georges. Donc, je pense que c'est un peu les mêmes. Et il y a l'histoire de la nature aussi qu'il y avait dans Maritima. Je pense qu'il y a aussi un peu des jouisseurs, parce que je pense que Louise, dans son rapport avec son compagnon, ressemble aussi à Éléonore des jouisseurs, le rapport qu'elle a avec Olivier. Et donc, je pense que j'ai mis un peu de tout ça. Et par exemple, pour ceux qui ont lu Courir après les ombres, je pense que le personnage d'Olaf, ça peut être Arg, le témoin tutélaire qui se moque des problèmes existentiels des Occidentaux, par exemple. Je pense qu'en fait, dans la canine de Georges, j'ai fait un peu une compile, et je pense que je l'ai fait en plus consciemment. Mais ouais, je pense que c'est ton album bleu, quoi, ou rouge. Ouais, c'est ça, bleu. Ouais. On comprend qu'il est... Enfin, moi, je pense que ceux qui ont l'habitude de lire ce que j'écris, ils ne sont pas trop surpris, pas trop décontenancés par ce qu'ils lisent, même si la structure est un peu différente. Et si je pars peut-être cette fois un peu loin dans mes délires, enfin, pas dans mes délires, dans les délires d'Angelo. Et je ne sais pas après si quelques-uns peuvent parler, notamment je pense à Nicole là. Mais savoir si c'est les passages d'Angelo qui perdent les lecteurs, ou si c'est à d'autres moments. Parce que je sais que les chapitres Angelo, il a fallu quand même que je les retravaille pas mal. Enfin, pas mal. Pas tant que ça. C'est un des livres qu'on m'a fait le moins retravailler, curieusement. Mais j'avais beaucoup travaillé en amont. Mais sur les chapitres Angelo, ouais. Et essayer de ne pas complètement perdre le fil avec lui. Tu veux dire un mot, Nicole ? Je veux bien dire un mot. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend. Oui. Oui, effectivement, Angelo, il faut quelquefois le suivre dans ses délires. Mais à la limite,
À la limite, on sait qu'il est dans des délires, le personnage, de toute façon, il est comme ça, donc c'est pas forcément celui qui va être le plus déstabilisant, je trouve. Moi, j'ai eu plus de mal quelquefois à partir sur les traces d'Hélène et Georges. Tout n'était pas, enfin pour moi, tout n'était pas limpide, mais c'est pas grave. Je pense qu'on n'a pas besoin de lire quelque chose de limpide. Et je ne sais plus à qui je disais ça, à quelqu'un qui venait de faire un retour sur ton livre. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y a un billet de blog là, qui est sorti aujourd'hui. Et en fait, on n'a pas du tout la même lecture. Et ce n'est pas grave. Hein. Je trouve très intéressant. Je pense que sur ce livre, il va y avoir des tas de lectures très différentes. Déjà, en fonction de si on t'a déjà lu ou pas. Oui. Si on fait le lien avec ta vie ou pas, parce que tout le monde, enfin, les lecteurs peuvent l'aborder de façon très très différente, et tout ça, ça joue dans la façon dont on va recevoir le livre. Voilà. Et après, certains vont être plus déstabilisés par les délires d'Angelo, d'autres vont se demander qui est ce Georges et qu'est-ce que c'est que cette relation avec cette petite fille. Enfin bon, ça peut être aussi un peu déstabilisant. Voilà, moi j'ai adoré Louise et sa relation avec les canards. Enfin bon, voilà. Mais bon, c'est bien. Enfin, moi j'attends avec impatience de lire des tas de retours de lecteurs, parce que je suis sûre qu'on va avoir des choses extrêmement différentes. Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment des livres qui appellent une interprétation et qui appellent une sensibilité différente. Enfin, ça va être un livre qui va résonner autrement pour chacun. Mais moi, je me suis posé de la poésie. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait me connaître, pas forcément personnellement, ou avoir lu mes livres pour pouvoir le lire, en fait. Et c'est vraiment un... Les éditrices d'Analyse m'ont fait confiance, mais tu sais, je me suis demandé dans quelle mesure, en fait, ce livre ne parlerait qu'à ceux qui ont déjà lu et qui ont déjà compris ce que j'écris. Parce que, voilà. Pour redire un mot d'Angelo, qui est quand même celui qui ouvre le roman et où on se dit on va rentrer dans quelque chose d'un peu étrange, il y a toujours un moment dans tes romans où il y a un moment de conversion, en fait, où on se dit, ça va être ce langage-là, ça va être cette ambiance-là, je la suis. Et il y a une phrase au début de Tenet, qui est un film que je n'ai pas aimé parce que je n'ai rien compris, mais là, pour le coup, c'était vrai, et il disait, ne réfléchissez pas, ressentez. Et je crois que c'est vraiment la clé pour lire tes livres, quoi. C'est tout comme on ne va pas expliquer totalement une métaphore, on ne va pas expliquer une forme poétique, on ne va pas expliquer... On ne va pas expliquer la logique du Seigneur des Anneaux, puisqu'il a sa logique propre, par exemple. Et pour moi, vraiment, tu es quelqu'un qui pose un réalisme magique, quoi. Enfin, c'est une forme de réalisme magique. On en accepte les codes, on en accepte les conventions. Et c'est en ça que c'est très beau, parce qu'en même temps, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que c'est un style qui est quand même très sec, en fait. Il y a assez peu de mots. Et il y a assez peu d'envolées lyriques ou poétiques ou symboliques, quoi. Je trouve que dans les chapitres Georges et Hélène, c'est... Ah oui, Georges et Hélène, là, oui, c'est lyrique. Ouais. Parce que c'est romantique, en fait. Ouais, c'est plutôt classique, même, je dirais. Enfin, classique, naturaliste. Mais moi, je trouve que c'est un problème, quand même. C'est qu'il y a une journaliste qui m'a demandé, comme dernière une question, pour clore son article, en me disant... est-ce que vous pourriez donner un mode d'emploi au lecteur ? Et à partir du moment où tu dois donner un mode d'emploi au lecteur, c'est que tu as un peu loupé le truc, quoi. Alors je lui ai dit qu'il abandonne. Justement, j'ai dit qu'il faudrait que le lecteur abandonne sa pensée, et, voilà, qu'il n'intellectualise pas ce qui est écrit, qu'il se laisse porter par la musique et qu'à la fin, il trouvera, enfin, il aura la solution, quoi. Enfin, il faut qu'il aille jusqu'au bout en emporter. À la fin, tout est résolu quand même. Tout est résolu et je pense qu'on retombe sur ses pieds. Mais quand la journaliste me dit il faudrait un mode d'emploi pour les lecteurs, j'ai dit c'est foutu, quoi. S'il faut un mode d'emploi pour le lecteur, c'est que j'ai raté le... Je ne trouve absolument pas qu'il faille un mode d'emploi pour le lecteur, tout comme il ne faut pas forcément la partition d'une musique pour écouter une chanson, quoi. Oui, mais... En plus, moi, il ne me semblait pas faire quelque chose de compliqué. Enfin,
je voyais bien que je sortais un peu des clous, mais j'avais pas la sensation de faire quelque chose de très compliqué. C'est pas du Volodine, quoi. C'est Non. pas. Non, non, c'est pas, c'est, justement, c'est assez simple, en fait, parce qu'on passe vraiment d'un personnage à l'autre et il y a une vraie continuité. Et en plus, il y a un vrai crescendo vers le voyage final. Et j'ajoute aussi qu'il y a vraiment une dimension de voyage dans ce livre. Et je trouve ça super précieux en ce moment de se dire, on va aller en France, on va aller en France suivre les canards, on va aller à Liverpool pour suivre cet électricien mystérieux avec son histoire d'amour étrange avec cette jeune fille de 10 ans. Et on va aller jusqu'au Danemark et finalement jusqu'au cercle arctique, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de réinvestir le monde d'une manière absolument poétique, quoi. Pour Et revenir à, excuse-moi, pour revenir à pardon. Georges et Hélène, pour Nicole ou pour les autres, sur la relation déstabilisante, en fait, je me suis inspirée d'une lettre que George Harrison a écrite à une fan, une petite. Elle devait avoir 12 ans, la petite, qu'il avait demandé en mariage dans une lettre, en fait. Et George Harrison, ce que je reprends dans le bouquin, il a répondu, ben, pour le mariage, demande d'abord l'autorisation à tes parents, mais en rigolant, tu vois. Et je me suis dit, ben voilà, enfin, je suis partie de cette lettre-là en imaginant bon, une fille un peu plus petite. Parce que moi, je sais qu'à 10 ans, je pouvais avoir des amours muettes comme ça pour des adultes, qui n'étaient pas de l'amour, du désir amoureux, hein, c'était autre chose. Et voilà. Et sinon, oui, pour les voyages. Et d'ailleurs, enfin, l'épilogue, normalement, je devais être partie en Arctique. J'y pars en avril, là, du coup. Parce que moi, ça me permettait de faire le voyage. C'est-à-dire qu'au début du livre, j'étais persuadée qu'il fallait que j'aille à Rishikesh. Donc, je m'étais renseignée comment on peut aller à Rishikesh. Et puis tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, non, au fil de l'écriture, Angelo m'a convaincue qu'il fallait que j'aille au pôle Nord, en réalité. C'est-à-dire que mon voyage en Inde se transformait en voyage au pôle Nord, et je me suis dit, ben, Angelo m'a convaincue voilà, que le lieu de transmission entre le ciel et la terre était là-bas. Et du coup, ben, j'ai mon billet, hein, et ça fait un an que je dois partir, et j'ai tous mes vêtements grand froid là-haut, et donc je trouve ça aussi. Vraiment, là du coup presque magique que ce soit un personnage de roman qui me conseille de partir sur la banquise, quoi. Invite au voyage et en fait Ouais. ils invitent tous au voyage les uns les autres pour finalement je ne veux pas trop en dire mais c'est à chaque fois c'est des formes d'éclat éparpillés ces personnages aux quatre coins du monde et aux quatre coins de leur vie et on sent qu'ils sont unis par l'esprit de Georges en fait enfin, l'esprit de Georges est partout entre eux et c'est vraiment un trait d'union incroyable. Et qui suggère que en fait les héros qui se sont choisis et qu'on se choisit nous en général, c'est vraiment ce qui nous constitue et ce qui nous permet de supporter la vie en fait. Et c'est ça Moi, que je trouve très beau. c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que j'étais un être très, très raisonnable. Et en fait, plus ça va, plus je m'aperçois que je ne le suis pas. Alors là, du coup, pour entrer dans ma vie personnelle, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, un après-midi, j'étais chez Philippe Lançon, pendant que son petit faisait la sieste. Et je lui ai dit, est-ce qu'après un événement pareil, on peut s'interroger sur quelque chose de plus grand, sur notre place dans l'univers, etc. Et il me fait, bah, forcément, quand on en sort, c'est pas de la foi, hein, c'est pas un dieu, c'est autre chose. C'est en tout cas notre place, voilà, la planète Terre, dans l'univers, où on se situe, etc. Et je lui ai dit, est-ce que George Harrison enfin, quand je lui ai dit d'abord, est-ce que tu choisirais qui comme médiateur, toi? Il me dit, bah, tu as lu le Lambeau. Je fais, oui, j'ai lu le Lambeau. Donc, évidemment, c'est Bach pour lui. Bah, je lui dis, ah ouais, c'est Bach. Et moi, tout timidement, je lui dis, mais tu crois que ça peut être George Harrison? Parce qu'à côté de Bach, George Harrison, bon, quand même. Et là, il va à sa table basse, il y avait un sac en plastique blanc, et il le ramène sur la table de la cuisine où on était installés, et il secoue son sac, et là, brrr, des CD des Beatles.
Et il me dit qu'il revenait de week-end et qu'il est dans la voiture avec sa compagne et avec le bébé. Ils ont écouté sur toute la route les Beatles. Et sans dire un mot, il prend l'album blanc, il va à sa chaîne Hi-Fi, il met le disque et en fait, il règle le disque sur « While my guitar gently weeps ». Et il revient à la table, il me dit « Oui, Sigolène, ton médiateur avec l'univers et les étoiles, ça peut être George Harrison. » Et à partir de là, j'ai dit « j'y vais ». Parce que j'avais encore des hésitations sur l'écriture de ce livre et c'est comme si Philippe Plançon, qui revient de loin, m'avait autorisé à le faire parce que j'avais le droit, quelqu'un qui avait plus souffert que moi me donnait le droit en fait de me connecter aux étoiles via George Harrison. De rallumer les étoiles avec George Harrison. Ouais, voilà. C'est beau. C'est une histoire que je raconte peu, hein, donc voilà, vous l'avez. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est que, ouais, ça nous permet de nous élever, en fait. Moi, j'ai vécu ce livre comme une forme de rêve et d'élévation, justement vers ces étoiles dont ils sont tous en quête, parce qu'il s'agit pour l'homme poisson et la femme balance, d'inscrire leur nom dans les étoiles. C'est tout l'objet du livre, c'est toute la quête du livre, en fait. Et c'est fascinant de voir à quel point les choses inanimées s'animent par l'art. C'est-à-dire que ce soit la sculpture de Georges que Louise sculpte et qu'elle finit par embrasser, qui finit par avoir une espèce de sensualité aussi. Ou la guitare du vieux Georges qui finalement lui ramène des souvenirs et lui ramène des bribes, en fait. Et je pense que l'art porte quelque chose de nous comme ça et quelque chose qui nous sauve. Enfin, c'est vraiment, il y a cette formule magnifique dans le livre où tu dis que c'est une manière de se souvenir des joies profondes. Et c'est ce qui nous relie aux joies profondes, vraiment. Moi, j'ai l'impression que plus que la quête des étoiles, c'est la quête de ce souvenir-là, des joies profondes qui motive l'histoire, en fait. Puisque justement, la fresque doit révéler ça. Et en même temps, parce qu'on dirait que c'est une quête qui est immense et très, enfin, vaste et qui nous dépasse. Et en même temps, j'ai mis le souvenir des joies profondes à l'intérieur du crâne d'un singe mécanique qui se moque de nous. Et là, c'était l'idée de savoir si tout ça n'était pas vain, même notre quête des étoiles n'est-elle pas vaine. Et je me disais, toute la mémoire des hommes à l'intérieur d'un singe mécanique, parce que le singe mécanique, c'est nous à la base, c'est le singe qu'on était. Et donc, c'était aussi important que cette quête qui est la nôtre à tous, cette quête de sens, soit aussi ridiculisée par un singe mécanique qui se fout de nous, mais qui à la fin va rester bloqué quand même. Donc, et voilà. Je pense que le singe mécanique et Olaf sont les garde-fous de presque cette prétention de vouloir donner un sens à la vie. Et le compagnon de Louise aussi. Oui, les compagnons de Louise, oui, ce sont des... Voilà. Ah oui, c'est ça, Nicole. J'avais oublié le singe mécanique qui était l'automate de... Oui, c'est vrai. Encore un autre. Ouais. Donc, voilà. Et il y a aussi une chose qu'on retrouve dans beaucoup de tes romans, que ce soit dans Courir après les ombres, ou dans Le Caillou, ou dans Les Jouisseurs, c'est cette affaire de... Les temporalités sont toujours mélangées, le temps est toujours distendu, le passé habite le présent, et là, on retrouve ça aussi. Ça, c'est ma fascination pour la physique quantique. Alors, avant de commencer le roman, pendant 6 mois, j'ai fait de la documentation et j'avais essayé de me renseigner, mais c'est vraiment, je ne comprends pas tout ça, de comment voyager dans le temps, donc la théorie des cordes, la courbure du temps, les boucles spatio-temporelles. Et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et je voulais m'en servir. Le problème, c'est que je ne les comprends vraiment pas et j'aurais voulu. Et du coup, c'est pour ça que je passe par la tisane à la liane d'argent, toutes ces choses-là qui... ça passe par plutôt par les psychotropes, par des hallucinations ou l'imagination, plutôt que par de la physique quantique. Il faut demander à Hervé Le Tellier, ouais, t'as raison. merci Nicole.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais l'idée qu'on remontait le temps ou qu'on traversait les différentes époques ou les différentes dimensions par des formules de physique quantique. Mais je ne me suis pas aventurée trop là-dedans. Ou Einstein, oui, ça serait bien. On va faire revivre Einstein. Ouais. C'est la courbure du temps, c'est Einstein. Hein. C'est facile, la courbure du temps. Hein. Il suffit d'avoir une feuille. Comme ça. Hop. C'est mon père qui m'explique ça. Il est super fort, mais je ne pourrais pas vous le refaire. Et mon père, il arrive avec une feuille, comme ça, à m'expliquer la courbure du temps et comment on remonte le temps. Mais moi, je ne suis pas capable de vous le faire, mais je l'aurais bien fait. Mais c'est possible. Donc, voilà. Oui, il faut toujours qu'il y ait des temps. J'aime bien l'idée, et c'est aussi mon père qui me racontait ça quand j'étais petite, c'est-à-dire que si un jour on voyage plus vite que la lumière, qu'on installe, alors il faut calculer la distance hein, évidemment, qu'on installe un gros télescope sur une étoile et qu'on le braque ce télescope sur la Terre, évidemment, la lumière émise par la Terre qui va être vue de ce télescope, ce sera la lumière émise il y a des milliards d'années. Ça, alors, il y a sûrement une étoile qui a la bonne distance pour si on installe un télescope dessus, à condition qu'on aille plus vite que la lumière, et si on le braque sur la Terre, on voit encore les dinosaures. C'est clair et net. Puisque le temps que ça arrive à une étoile qui a des milliards d'années lumière. Donc ça, j'ai toujours aimé cette idée que la lumière ou l'énergie qu'on avait émise il y a longtemps, quelque part dans l'univers, elle existe encore parce qu'elle n'est pas encore parvenue. Le temps n'est jamais vraiment fini en fait. Voilà, donc la physique quantique permet d'expliquer ça, mais voilà, c'est en littérature on fait autrement quoi. Mmh. Voilà. Parce que en fait, Georges, au bout du compte, c'est presque le commencement de l'avenir. C'est le symbole de l'avenir qui les sauvera tous. Ouais, je pense à partir du moment où il disparaît que voilà. Qui vont tous commencer à vivre. Oui. Angelo doit se les peler hein, là-haut, hein, quand même. Oui, oui, nu, ça. Faut pas dire la fin de trop non plus. À la fin, ils meurent tous, de toute façon. À la fin, ouais, c'est un carnage et les zombies débarquent. Ouais. Je racontais n'importe quoi, ça va être bien. Et, bah, écoute, moi, je suis heureux. Ben c'est bien, moi aussi je suis heureuse. Ouais. Parce que enfin, c'est vraiment un roman qui vous permet de revisiter ce que l'art peut avoir de précieux. Parce qu'on se pose toujours la question, et toi aussi d'ailleurs dans ton livre, est-ce que l'art c'est un divertissement ? Mais à ce moment-là, il faut être reconnaissant d'avoir été diverti de tous nos démons et de tous nos mauvais souvenirs. Ou est-ce que c'est une raison de vivre, comme ça l'est pour les personnages qui vraiment se mettent en. S'animent pour de l'art en fait. Ça, moi j'aime beaucoup l'art, mais j'y mets pas autant de, j'ai pas autant de projections ou de, je crois que je préfère la nature à l'art, tout en adorant aller dans, enfin voir des peintures, etc. Mais je trouve qu'on fait pas encore aussi bien que la nature, alors qu'il y en a, ils vont préférer un tableau de Sisley à une vraie forêt, quoi. Ça sera plus beau ou et moi j'arrive toujours pas à me dire que l'art est plus beau que la vie quoi, alors que je suis passionnée de tout ça hein. J'ai fait l'école du Louvre, je suis passionnée par l'art, par la peinture, la sculpture, la musique, et pourtant je me dis que peut-être je pourrais m'en passer alors que qu'aller nager voilà, sous l'eau, je ne pourrais pas m'en passer. Et je pense que c'est ça la scène qui revient toujours dans tes livres, c'est que la nature sauve en fait. Et là, ça va être la mer ou la banquise ou des choses comme ça, mais c'est ça qui est rédempteur. Il y a mon chat qui miaule. Il y a ton chat aussi qui peut. Oui, il miaule. Vous ne voyez pas ? Non, non, il est trop. Ah oui, il est là. Il a l'air d'être ouais. Vraiment. Je pense aussi, Sabine. Oui, la réponse est propre à chacun, l'art est partout, à chacun d'en faire son lieu. C'est vrai.
Bon, bah, je crois que ouais, on a fait 50 minutes là. Ouais, je pense, oui, largement. C'était bien. Et donc, bah, je vous invite vraiment à découvrir le livre de Sigolène, parce que bah, finalement, la vie, c'est pas seulement avoir un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. C'est Mais... Frédéric Dard, hein, la phrase, hein, dans l'épilogue, je rends à César ce qui est à César. Hein. Ouais. Donc, c'est En un fait, il parlait de gros. Mitterrand. Avec cette phrase, il parlait de Mitterrand à la fin de sa vie, tu vois. Beaucoup. Mais voilà, moi, c'est un livre qui, je trouve, nous libère. Je crois que c'est Nicole qui disait ça. C'est un cadeau merveilleux. C'est quelque chose qui, à la fois, nous met face à nos peines et face à nos démons et face à tout ce qui nous a brisés, en fait, mais qui nous répare. À l'image de ces personnages qui se réparent avec Georges et qui nous montrent aussi que le beau est simple, en fait, et que ce n'est pas une affaire de réflexion, c'est une affaire de sensations et de symboles et de tout ce qu'on perçoit de la réalité. Et je trouve, moi, personnellement, que c'est le livre qui te ressemble le plus, qui est plein de tous les motifs que j'ai aimés chez toi et surtout de cette ambition. C'est pas un livre qui nous coiffe dans le sens du poil. Il faut s'y convertir, il faut se faire à son rythme et tout ça. Mais une fois qu'on y est, c'est un T'as eu la voyage raison, hein. extraordinaire. Tu dis ça à chaque fois. Oui, je sais, je recycle toujours la même critique. Ouais. Ça fait 6 livres, mais ça marche. En tout cas, je demande pardon à ceux que je vais complètement perdre, voilà, et qui vont se demander ce que j'ai foutu là, quoi. Mais c'est bien de se perdre pour se retrouver, en fait. Et je crois que c'est vraiment l'effet que font tes romans, et ils sont d'une ambition enfin, j'admire ça vraiment. Je suis fan de toi, si tu veux, c'est tout. Nicolas, on ne le savait pas encore, c'est gentil. Ouais, je sais, c'est un scoop. Et alors, maintenant, on a une petite surprise pour toi. C'est Il vraiment change rien, il est là. si je le En retrouve. unplug. Mais oui. Il est là. Alors attends, un écrivain Oh, un mystère ukulélé. Et un ukulélé. et un ukulélé. Je reconnais ses bagues en plus. Ouais, c'est ses bagues, mais on ne sait pas si c'est sa En bague. même temps, il y a son nom de marqué. Pardon, chut. Ouais. Bon, c'est une tentative. Ouais. Attract me like another lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe her now. Sometimes a smile she knows. That I don't need no other lover. Sometimes in a smile that shows me I don't want to leave her now. You know I believe her now. Bravo, Gilles. Merci, Gilles. Hey, montre tes yeux un peu. Et remonte la caméra, Gilles. Merci. Ah, voilà, les beaux yeux. Qu'est-ce que je vais chercher, George Harrison? Il y a Gilles Marchand. Il y a Gilles Marchand. Moi, je n'ai pas la dent, donc c'est pas pareil. Bah C'est pas pareil. Merci, Gilles. Tu joues très bien du ukulélé. alors, pour l'anecdote, je suis allé voir Paul McCartney avec Nicolas il y a un peu plus d'un an. Et à un moment, il a pris un ukulélé, il a expliqué que Georges était un très bon joueur de ukulélé, et il a dédié cette chanson, avec une chanson de George Harrison, et il a commencé à la jouer au ukulélé. Et donc le lendemain, je savais que j'irais m'acheter un ukulélé Un ukulélé. uniquement, voilà, pour pouvoir jouer cette chanson. Voilà. Il paraît que c'est super dur, que c'est plus dur que de la guitare. C'est plus, bah, ouais, moi je trouve que c'est plus difficile, tu as moins de cordes, c'est... Ouais, c'est moins agréable, je trouve, à manipuler en D'accord, merci. plus.
J'avais deviné la surprise, en fait, t'as vu? On m'a Ouais. dit surprise, j'ai dit oh, il y a Gilles qui débarque avec une guitare, mais non, c'est un ukulélé. J'ai M'a hésité. énervé, Gilles. M'a énervé. J'avais pensé à Let It Be Me, à la guitare aussi. T'as vu comme elle est belle, celle-là? Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Pour une chanson de Gilbert Beco, ça Ouais, pour une chanson. peut. Bon, bah, Bon, ben, merci à merci tous. à tous. Merci, merci. Ouais. Merci, Taëlle. Merci, Nicole. Je vois pas tout le monde. Merci. Bon, moi j'ai ma soirée de prévue. Merci, Salut, merci à Nathalie. J'ai vu qu'il y bientôt. avait Sabine, Charlotte aussi. Je vois pas tout le monde, en fait. Mais... Oui, bah Merci. on vous Merci. aime tous. Oh, salut, toi! Et est-ce que tu m'as envoyé un texto un jour? Mais il est arrivé sur ma boîte orange et j'ai cru que c'était un fake. Je me déguise en fake parfois, mais non, c'était moi. Salut Sabine. Et oh, bah dis donc Alexandra, super. Ça va Sabine? T'as vu ma petite boîte à musique? Mais c'est en dessous qu'il faut que tu dises merci. Bah, en dessous, mais je la vois pas. Mais merci Charlotte. Je l'entends bientôt. Bah, merci à tous. Bertrand, ça me fait plaisir. Moi aussi. Bah ouais. Mais je peux continuer à faire Quand, quelque en chose. fait, c'est génial. Bah Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus tous. ouais. Ça. Un Oh jour. ouais. Bah, merci. Ça manque. Bon bah écoutez, on va couper maintenant, je suis désolé. Bah ouais. Ouais. Bah non, on va ensemble. Bon, bah Sinon, alors à tu bientôt. m'envoies tous, les gens en face de Charlotte. Ah. la Ah oui, Charlotte, un jour, oui, on fait cette soirée en vrai, je ne sais pas où. caméra. Voilà. On donne tous rendez-vous sur la banquise. Bon, je vous embrasse. Merci Gilles pour la chanson et tout. Merci Nicolas. Et Merci. merci à Charlotte Meyer, du coup, que je ne connais pas. Oui, je la connais, je transmettrai. Allez, bisous à tous. Bisous, et Salut. quand les bars rouvrent et que je suis dans un endroit où l'un de vous se trouve, que ce soit au Mans, à Tours, à Paris, je ne sais où, et ben, voilà. Ou à Martigues, j'ai vu des gens de Martigues aussi. Où je suis élue municipale. Donc c'est vraiment Louise en fait. Communiste. Non, ouais, communiste. Non, je crois que je suis Hélène en vrai. Ah oui, je crois aussi, oui. Bon, bah merci à tous. Allez, bientôt, Merci. c'est Pauline. Et bon couvre-feu, merci. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Merci. Merci, bye.